Sommes-nous vraiment condamnés à errer, enchaînés au funeste destin d'un système où demain rime avec chrysanthème? N'y a-t-il pas d'autre voie à emprunter, d'autres lois que nous puissions imaginer? Est-il interdit de rêver? Car le système actuel est perçu par la masse comme une fer en soi inaliénable et tenace. Quand comprendrons-nous que s'il est toujours en place, c'est à cause de nous et non des rois qui nous menacent? À grands coups de statistiques et de clichés vivaces, ils nous manipulent et font de nous des limaces résignées, mercantiles et dépourvues d'audace, spectatrices immobiles de ce foutu temps qui passe. Sommes-nous vraiment condamnés à errer, enchaînés au funeste destin d'un système où demain rime avec chrysanthème? N'y a-t-il pas d'autre voie à emprunter, d'autres lois que nous puissions imaginer? Est-il interdit de rêver? Marionnette à la solde des puissants de ce monde où l'argent donne à des tyrans le pouvoir de décider de la pluie et du beau temps. Autant vous dire que ces monstres ne font pas dans les sentiments quand il s'agit de spéculer sur le malheur des pauvres gens. Sur le malheur des pauvres gens, oh ouais. Sommes-nous vraiment condamnés à errer, enchaînés au funeste destin d'un système où demain rime avec chrysanthème? N'y a-t-il pas d'autre voie à emprunter, d'autres lois que nous puissions imaginer? Est-il interdit de rêver? Shit.